Audrey, quel culot tu as eu de venir nous chercher avec du soul et quelque chose de très R&B en même temps. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'ai une voix très soul, très R&B, puis je me suis dit, j'aime tellement le français, puis ça se fait pas en français, tu sais. Fait que ça fait quand même 2 ans que je suis là-dessus à savoir comment ça peut fonctionner au niveau de la prosodie, au niveau de toute la technique vocale aussi, pour rendre le texte en français. Les mots, c'est beau, mais je trouve qu'à travers la voix, on peut laisser transparaître notre âme, on peut laisser transparaître vraiment nos émotions. Je pense que l'idée, c'est de faire un mélange à travers tout ça, tous ces désirs de soul, de texte bien rendu, de beat aussi chaud en arrière de la basse, du drum. Mais en même temps, je voulais justement pouvoir juste aller laisser le corps bouger. Il y a pas tant de musique française qui fait ça. La maison chez mon père. Audrey, il y a une magnifique chanson. La maison chez mon père. Oui, c'est un texte d'Éloi Pinchot. On a l'impression de se retrouver en famille. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un texte qui parle d'une déchirure au début, où on parle d'une personne qu'on n'a pas laissé courir, qu'on lui a mis les limites avant qu'il puisse se mettre à courir. Puis à la fin du texte, ça dit « Je sens dans ma fibre, quand je danse, je suis libre ». C'est vraiment... c'est un choix de vie. Il y a tant de façons de noircir une toile. On vit des douleurs, on vit des coupures avec des gens, mais je me rappelle tout ce qui m'a construit aussi, toutes les douceurs du monde, puis c'est ça qui me permet de grandir. T'es là comme un pont suspendu entre moi et la mer. Audrey, le titre de l'album, La couleur des jours, c'est aussi le premier extrait. Mm-hmm. Ça signifie quoi exactement? Chaque jour est différent, chaque jour a sa couleur. Grosso modo, c'est de suivre le pouls de chacune des journées puis de les accepter comme ils viennent. Mais c'est une chanson qui parle beaucoup d'amour. Tu m'accueilles, j'arrive juste à temps pour nos rêves de grandeur. Qui demande à l'autre de s'ouvrir, puis aussi qui parle de sa propre peur, de son vertige, de se laisser plonger dans ça. Il y a comme une promesse de s'offrir toutes les couleurs des jours possibles.